Bienvenue sur Télépacifique, Radio Pacifique. Bienvenue, Franck, une nouvelle fois dans l'émission Roue Libre. Franck, pas quel bataclan ça y est qui sous l'estomac? Est-ce que vous êtes capable de révéler nous qui ça vous voulez dire? Bon, moi, qui ça vous représente? Moi, au sorti, mon fonte, oui. C'est-à-dire que vous avez entré dans le bagage. Vous avez entré dans le bagage, oui. Bon, en tout cas, oui, d'aller dans le bassé, mais ça sont bassé, je dis là. Moi, j'ai gagné une bonne quinzaine d'années depuis que moi, qui a m'a brûlé ça? Une sorte de collection de médailles. Première, c'est, je ne sais pas si couvre vieux grand, je suis capable de mettre bon, ok, moi, bien. Où est ça? Son médaille que Yun Nati Sum, qui a vécu aux États-Unis depuis passé 40 ans, vous avez fait un cadeau pour l'anniversaire de naissance. Comme moi, fait 12 avril, je ne vais pas ajouter de reste pour tout le monde qui connaît déjà, 12 avril 1936, avait dit 2016, ça fait 80 ans. Donc, c'est Bélier. Et puis, Sumnan, qui dit, bon, je vais vous une médaille Bélier, by Franck, pour comme un petit cadeau. Ben, parce que c'est une belle médaille, et puis l'en or. L'aime où se voit, il me dit, ah bon, moi-même, tout le monde garde lui, il me dit, bon, ça, c'est une médaille Bélier. Mais ta fait, moi. Nous avons toute la rue avec une seule médaille. Là, ça, c'est une seule médaille à me dégainer la chaîne. Et puis, 5 ou 6 mois après, mal baigné en piscine, car un bon ami moi qui t'a invité pour me deviner précisément parler de une œuvre que je connais vraiment pile, parce que tu es frontière aller sous l'île, là tu es étudiante. C'est l'oiseau schizophone. Nous avons parlé de l'oiseau schizophone. Et puis, Negla. Gardez-moi l'estomac, puisque la médaille est visible, puisque je me torse nu, je suis avec slip, je me suis dit, vous êtes juif? Je me dis, bon, juif, non, mais papa, tonton Lai, il était un américain d'origine irlandaise et d'origine allemande du côté maternelle, côté papa l'Irlande, donc son mari mêlé et puis la donne tout est un juif. Donc je son mêlé, mêlé, matchak lié, mon bagaille marandé, et qui transmettre ça tout, peut-être, je ne sais pas qui t'en rien pour moi, bien content pour que ça, parce que il peut mettre nos détails de matin, on a trop questions intellectuelles, nous prenons question, et pourtant qui est important pour nous aider à nous. Eh bien, nous sommes libérés pour nous matcher. Ils ont tête chargée, Franck. Non, tonton là n'a pas quitté un goût pour moi. Ça, tout le monde le dit, il dit, je répète le trop. Mais je répète, ce n'est pas pour grand monde, je répète le non. Je répète pour petit monde petit. Je répète pour jeune garçon 14 ans, pour jeune femme 20 ans, qui tout a dit la vie est difficile. Oh, je barre devant, je barre derrière, les horizons sont barrés. Oui, c'est vrai. La vie n'est pas facile et les horizons parfois sont très obscurs. Jeune Timon, il y a un qui bat pour mettre pied droit, qui bat pour mettre pied gauche, et sous qui pied pour danser. C'est vrai. Mais l'aime par exemple ça, son façon pour me dire que difficulté pas qu'à imposer aux rêves. Eh bien, tonton là, il n'a pas quitté un goût pour moi. Je ne vois pas ce jour-ci, pas dit, tout le monde qui a emballé, qui a emballé, ce sont mes petits paroles qui a emballé. Monsieur Oli. Je connais, regardez, jeune garçon, jeune femme, époque que tu as voilà, tu as voilà, tu as dit, Gisèle, je ne connais pas qui c'est là encore, tu as dit, tu as dit,
trois téléphones. Quand il n'y a pas trois téléphones dans la mode, il y a Natcom et pas Digicel. Si on a 15 ans, 16 ans, il y a deux téléphones, parfois téléphones de prix. Moi-même, je conserve avec eux. Quand il y a un téléphone, moi, c'est douette, il y a douette, je ne suis pas foutu avec eux. Moi-même, c'est bouton, et petit téléphone, 200 gouttes, je me servis. Là, je regarde mon gars au tennis, la pièce qui coûtait minimum 120 à 150 dollars américains. Il y a une chaîne dans le coulteau. Et puis, là, je parle avec eux, les gars ne savent pas dire, bon, la vie a dû, ils ne disent pas, ouais, son pays n'a pas eu aucune chance. Ou bien 15 ans. Ou bien deux téléphones qui ont mangé unité. Et nous connaissons, s'il n'a pas n'importe 300 dollars, 200 dollars ici, il n'est pas capable de parler pendant un mois. Parce que c'est de temps en temps, la pression va coup de fil et lui-même nous obligé les gens. Moi, je dis, son façon pour me dire, que même quand la vie est difficile, je ne pas que un jeune garçon, un jeune femme, qui pique gros richesse là, c'est la jeunesse. Moi, je dois dire deal qu'on y a. Pique gros richesse au monde, pique gros richesse, c'est l'orgue 15 ans, ou 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans. De pour commencer, j'en ai 33 ans, l'âge du Christ, parfois depuis avant. Problème, comment se mettre pied. Quand alors commencé, j'en ai 50 ans, mon cher, pour regretter que tu es grandi, que tu es venu grand monde, parce que. Maladie commence à croiser pieds sous l'estomac, maladie croiser pieds dans la tête, maladie croiser pieds dans le ventre. C'est-à-dire le problème santé, et là encore, m'a dit, à côté de jeunesse, là, le monde jeune, comme dit le riche là, et parce que le premier bas, il a la santé à tout, c'est, m'a dit, le monde est malade jeune. Mais quand le monde a 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ou capable de couper assis à dedans. Alors, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, je parle avec nous à travers Radio Pacifique, Télévision Pacifique, qui m'a chance ça. Suspend play, parce que nous quittons une modernité que nous avons portée par nous. Parce que la modernité téléphone, ça. Je ne suis pas contre le téléphone, non, je ne suis pas contre la modernité. On a évolué courant, même pas contre la modernité. Mais à fait de modernité sophistiquée qui vient. Parce que pourquoi ça pour tout le monde pas un téléphone normal? Ils n'ont pas même voulu, non? Ils n'ont pas qu'à tout. Mando, qui comportement petit pas? C'est une occasion même pour ta deal, mais nous ne pouvons pas parler à faire privé. Mais très souvent, si mon refuse un téléphone, 150 dollars ici. Un téléphone 150 dollars ici, un téléphone 200 dollars ici, un téléphone me parle dans la machine, moi, mais ce téléphone 200 dollars, je marche en diesel. Et qui permet de parler très bien à tout le monde. Et puis il a dit, pays a dû, situation difficile, je vais devant, je vais derrière. Ou un téléphone sophistiqué, le monde qui a peine à douette, je ne pas qu'on a iPhone, je ne sais pas qu'on a ou même qui connaît. Tout Mac fait. Il y a un paquet Mac. Alors, téléphone représenté, facilité, auquel que tout le monde a accordé plus d'importance que l'autre valeur que tu es capable de développer pour arriver à un niveau côté le cas utile tête li avec société. Bon, quand ça passe, ça va là. Au bon occasion là pour me dire un bagaille. Pas oublier Bataclan. Non, pas oublier Bataclan. Même si Bataclan ça prépose, parce que nous composons. Même si ça prépose là, je vais tourner sur Bataclan quand même. Mais au bon chance là pour me dire un bagaille. Ou quand. Modernité a les bons paquets d'avantages. Ça, c'est clair. La modernité, la technologie moderne a offre d'immenses avantages. Mais, je ne connais pas si mon l'école, si la famille, si dans certaines institutions, ils ont insisté à Timoun pour découvrir tout, pour faire découvrir les aspects négatifs de la modernité sophistiquée. Que modernité d'abord sorti de l'autre bord Haïti, il sorti dehors. Longtemps moi-même, époque de l'école, dès qu'on fait racine carrée, dès qu'on fait racine cubique,
au monde dit 9 fois, juste qu'on y a là, pendant que nous avons 8 fois 8, 64, 5 fois 8, 40, 9 fois 9, 81, 7 fois 9, 63, 6 fois 6, 36, le carré de 8 est 8 fois 8, 64, le carré de 9 est 9 fois 9, 81. Si vous avez une machine. Ou même, ou gagne rapidité, on a 25 ans. Eh bien, ça crive. Non, c'est la période là tout capturer Timonio. Parce que, à partir du moment où vous avez une machine qui est esclave. Vous passez vers ses voix. Soit, vous passez vers ses voix encore. Vous passez vers ses voix. Et, Gombay qui dit, use it or lose it. Vous avez une partie dans ses voix qui vient atrophier. C'est-à-dire que, premièrement, si mon a perdu capacité cérébrale qui te permet de calculer, analyser et puis résoudre des problèmes très vite, qu'on y a ces machines à faire pour lui et puis quand la machine n'est pas là, il n'existe plus. Et il y a l'autre bagaille qui va encore, capacité d'analyse. Parce que lui reproduit tout selon les domaines. C'est-à-dire qu'on peut aller sur Google et puis il cherchait. Tout ça gagne sous éclairs, tout ça gagne sous tremblement de terre, tout ça gagne sous racine. Alors que longtemps, on oblige Chita pour faire de voir, c'est-à-dire qu'on a une capacité d'analyse, faut qu'on a une capacité de mémorisation. Parce que si nous bêtisons, nous avons fait une machine qui a fait tout le pour nous. Moi, oui, je ne peux pas ça. Dans deux siècles, nous ne parlons pas de Alzheimer. Parce que depuis le cerveau n'a pas travaillé, le cerveau a mouru. Donc il y a des zones du cerveau qui vont être atrophiées. La lecture, les enfants de l'esprit. Mais lecture, non, il n'y a pas fait lecture. C'est-à-dire que moi dis, nous vivons une période, soi-disant, que la modernité a venu pour résoudre des problèmes, porter des solutions dans l'immédiateté, mais ce qu'on appelle la dimension humaine, Savannah, n'accompagne pas nécessairement le développement. Le développement et technologique que nous avons qu'on y a là sont bail qui viennent pour le mener cerveau humain qui a subi des mutations, mais c'est pas des mutations dans le bon sens, parce qu'au contraire des mutations dans le sens d'une évolution, c'est un sens évolutif. Là c'est certaines zones du cerveau qui vont être annulées, évaporées, anéanties, et puis là ça on fasse un robot. Est-ce que vous pouvez préparer la robotisation, n'est-ce pas, des nouvelles générations? C'est à se demander. Alors, je ne sais pas si vous avez dit, vous avez dit, si vous avez préservé votre clan pour deuxième mi-temps, parce que moi, je ne sais pas si vous avez parlé, je ne sais pas si Franck, vous parlez de développement. Pour un pile monde, développement, c'est gros building qui a construit, des mégapoles qui a développé. Le développement pour Haïti serait quoi? Le développement pour Haïti m'a pas envisagé. Je suppose que si on recommence à lire et que le cerveau haïtien continue à fonctionner pour le développer dans le bon sens. Écoutez, m'a bay un bagay très bref, très court, parce que pas qu'à développer le fait que gain une question primordiale qui pas résoudre. La question primordiale qui doit être résolue, qui devrait être résolue, c'est d'abord la prise en charge de notre propre destin. Je ne vais pas parler de développement si je ne parle pas de destin, mais nous sommes pris en charge. Ils ont fait élection pour nous. Ils ont voulu dire Tchako à nous. Ils ont voulu dire Américain à nous. Ils ont voulu Pepe à nous. Ils ont voulu toute qualité de bagaille à nous. Ce qui signifie que production la caille nous déjà à zéro, et ensuite qu'on y a sur le plan politique et sur le plan des relations internationales, nous pas décider rien. Nous pas qu'être des cap bat gagan, nous faut appeler l'estomac comme chef. Qui chef il est ici? Moi-même Franck Chrétien me dit pas aucun chef, pas aucun chef, parce que tant que vous pas capable de prendre en charge le destin de devenir de votre terre, pour qu'on ait quel développement pour quel haïtien? Parce que le problème citoyenneté a venu poser là tout. Est-ce que citoyen haïtien existait? Donc, il paraît avec un label
c'est-à-dire une étiquette mondialisation, qui dans certains pays, adaptation pas trop nuisible, leur prend un pays d'Europe. Yo. Nous ne pouvons pas citer son paquet. Il y a eu l'Union européenne. Mais nous sommes capables de citer la Grande-Bretagne. Même si la Grande-Bretagne a gommé qu'on y a, dans 3 semaines, il a dit sorti dans l'Union européenne. Bon, nous ne pouvons pas connaître ça fait. C'est ça, le Brexit. Conseil de pays, Yoshita sou, 1000 ans, 2000 ans d'histoire. Et ensuite, il y a déjà gagné des éléments d'adaptation qui propre à Théo, qui propre à ça, y aurait les, bah, mais moi, intellectuel, qui sont encore, ça y aurait idiosyncrasie, c'est-à-dire nature profonde au monde, tempérament profond aux communautés. Il n'est pas trop nul, non? Que qu'on y a américanisation, parce que même mal en France, mal en Italie, mal en paquet de pays d'Europe, l'aime besoin d'entendre en musique française, marcher contre moi. C'est musique américaine, m'appelle de tous côtés. Mais il n'est pas fin de trois nuits. Il est nuit, mais il a fait trois nuits. Mais quand on a un petit pays, comme Haïti, qui n'a pas de guet en fait ça, un jour nous avons parlé dans une émission yo, de fondation État national. Pour nous connaître, identité nous, pas définie, non, parce que, attention, m'a profité de ça, une identité est une construction en marche et qui ne se termine jamais. Donc, je ne veux pas que tout le monde demande l'identité typique, d'Haïti. Statique d'Haïti. C'est-à-dire, c'est comme si on a une boîte secrète et puis mal ouverte pour me voir l'identité haïtienne. Aucune identité ne peut être enfermée dans une boîte ou bien pour dire à tel moment donné, mais identité on peut. Ou bien doit joindre les éléments fondamentaux. Les éléments de base de l'identité. Mais l'identité, c'est un bail qui. Bon, mais non, non. Qui évolutive. Évolutive. Évolutive, merci. Il est en pleine évolution, il est en pleine marche. Bon, nous venons de moi. Il est in progress. In progress. C'est-à-dire, c'est ça, il est work in progress. Son bracaï, ou ap construit, ou pas jamais fini, il est interminable, il est intarissable. Mais quand même, bon petit morceau, bagaille nous gagne comme basique la caille nous. Nous avons un basique qui est lié à l'histoire nous. La substance. Une substance haïtienne qui est liée à l'histoire nous, qui est liée à côté de nous sortir, qui est liée à chemin nous fait, sous la mer pour venir la gagne nous là, qui est liée tout à tout événement historique yo, et qui est liée à des éléments culturels comme le vaudou, comme le créole, comme aussi certaines habitudes alimentaires. Parce que l'habitude alimentaire entre l'identité autour. L'entrée dans la culture, l'entrée dans l'identité. Eh bien, moi-même, je crains en pile pour la planète en général, mais en particulier, je crains pour vieux bout de ça. Que moi-même, ça 51 ans, je suis monté en avion, je suis quitté. Qui va connaître les entrailles, moi. Même si je dis que je suis haïtien rabi, je suis haïtien raci, même si je dis que je suis haïtien cani tout, je m'accepte. Parce que moi-même, depuis petit, jusqu'à un demi-siècle, je ne dis pas 51 ans, je dis passé demi-siècle. Parce que l'homme dit demi-siècle, elle sonne plus fort que 51 ans. Eh bien, moi-même, je crois que moi gagne un bagage qui la caille, moi. Que pas gain ni mondialisation ni modernisation capable retirer m capable adapter à pas me servir au téléphone même pas intéressé moi même pour pas servir un téléphone hyper sophistiqué qui coûte m'pas connait $1,000 ou $500 américains que me pas joindre tout le temps et puis m'oblige à veiller puis c'est le bill gain prix et puis moi son vite qui sous lit m'oblige à veiller tout le temps pas me compte tomber. Toute la journée, je me suis dit poussé et puis je travaille avec lui. $200 ici, le côté. Alors, moi-même, je crains, et c'est ça que je dis, je crains que la machine ça, qui paraît dans les années 60, 70, il était là déjà, oui,
Mais elle était là en soudine, comme la marche d'un chat dans le noir. Ou que l'on chatte l'enfer noir. Et vine-moi encore si chatte la gris ou bien si chatte la noir. Ce n'est pas un chat blanc lié. Eh bien, un chat sombre, cap mâché sous vlou, cap mâché sous crepsol, et qui gon sa relé on marche féline, sournoise. Eh bien, machine ça était là déjà. Mais machine a vine commencé à développer tout bon dans les années 70, quand les États-Unis posaient base des droits humains. À partir du moment où les États-Unis posaient base des droits humains, qui en font son bel bagaille. Mais droits humains, quelque part, nous venons rendre compte que je voulais dire le droit pour me venir la caillou, le droit d'ingérence, oui. Pour me venir contrôler sa capacité la caillou, pour me connaître démocratie avec ça et la bonne gestion. Est-ce que le fait bien, j'aime vouloir. Donc, son bagage qui saute l'autre bord, et puis il mette sur toute planète là. Le droit d'ingérence. Oh, mais c'est le droit d'ingérence, oui, ça veut dire que. Mais le droit d'ingérence, ça veut dire. Non, seul sens. Moi, je suis d'accord, oui. Si je ne peux pas faire la tout. Donc, c'est le revers de la médaille. Mais c'est ça, c'est le revers de la médaille. Et c'est lui-même qui a mené nous dans le bout. Par contre, c'est mon nom de mon bout là. Tout bout là, c'est le dernier point arrivé, et puis le gars de ouais, ou au point zéro. C'est-à-dire, vous perdez tout le bagaille, et puis vous êtes bon pour vous. Merci, Franck. Na pon pause, na retourné avec l'émission Roue Libre avec Franck Etienne. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Nous retournons avec l'émission Roue Libre avec Franck Etienne. Franck, nous t'as parlé de mondialisation. Oui, c'est pas de mondialisation seulement nous t'as parlé, non? Nous t'ai commencé sur une question, mais nous avons venu sur lui. A fait battre un clan, ça, c'est que moi, m'accepter lui. Battre un clan sur l'estomac, on n'a pas le sur lui. Et avec ça, nous commencé. Moi, dis pour mondialisation que je pas contre la modernité puisque prétention mondialisation chita sous vulgarisation des hautes technologies. Pas d'accord contre lui. Mais si une technologie vient qu'on y a pour asservir, pour transformer un nouveau type d'esclave. Pourquoi ne pas employer le mot? Zombifier moi. Il a dit, femme suspend pensée. L'aime à parler qu'on y a, toute référence moi, l'obliger hors de moi-même, l'obliger ça me travaille à brûler, il y a un point. Il a dit, bah, il est prêté. Bah, qu'on est si chaudier est prêté, fait bon manger. Mais les gens chaud dit pam qui la caille moi avec toute crasse qui gommer m'ba dit que pour m'ba hygiène non mais on dit que chaudière vaisseau même verre à boire de l'eau il vient gagner nan mou la donne c'est pas un bail qui visible non on chaudière on observe avec tout temps on assiette on mange la donne chaque jour avec le temps. Il vient imprégné de ça, une essence profonde, invisible, insaisissable, qui fait que, on dirait que, 20 m'habitués à boire de l'eau, il n'y a pas faim. Manger qui fait dans le chaudier la caille, comme on observe avec depuis 4, 5, 6 ans, eh bien, il vient gagner marque fabrique, tempérament. J'embrasse manger. J'aime séparer manger, j'aime cuite manger, j'aime mitonner manger, j'aime cisonner
Et bien, tout bas, ça vient rentrer dans le ensemble un ensemble de facteurs qui propre à moi-même. Moi, contre une mondialisation, et c'est ça qu'a fait là, qui à l'échelle de la planète, voulait tout le monde qui a rien, ça a relé, on prête à porter et en même temps, tout, on prête à penser. Prêt à porter à se passer calme, prendre et puis à la veille. Prêt à penser à tous ces mêmes gens, tout. C'est-à-dire, lui tuer capacité, la caille, pour analyser tête, moi, pour me garder mon glace. Ou bien, me garder mon glace, pour moi, me sembler avec, je ne sais pas, je dis, c'est un bel bagage, mais c'est un bel bagage qui n'est pas pour moi. Donc, je suis détenu pour me dire ça, même si c'est une question tellement importante, nous allons retourner sur lui, parce que non seulement concerne Haïti, il concerne toute la planète là, et c'est lui-même qui est responsable que actuellement toute la planète Terre est comme un moteur qui a grippe. Il est grippé, il est rhumé. Il va marcher mal, et pas grand monde qui va faire le contraire. Je prends l'Afrique, je prends l'Europe, je prends l'Asie, je prends l'Amérique, je prends la Caïmoué. Toute planète là a marché mal, et Terre même de manière géologique a marché mal tout. Avec tout paquet d'inondations. Je regarde ces semaines ça, je vais qui passer en France pour la Seine qui était Cabanni, et puis il prend la rue pour lui, et puis il envahit tout au parti dans Paris. Qui fait que les gens ne peuvent pas même pas circuler. Bon, de l'autre côté, c'est Batoum de Wé, qui est dans les rues de Paris, que les gens connaissent très bien. Donc, je m'apprête sur ça, en attendant que un jour, nous retournions par ces émissions que Pacifique a. Qui est-ce que je dis ça? A mariné, que l'a mitonné pour servir le public, là, et en particulier le jeune public. Là, il demandait pour une question aussi importante, nous retourner sur lui, parce que travail ça, c'est un travail important. Je ne suis pas contre la musique, blague, ding, parce que je ne veux pas que le monde pour un nègre qui est intolérant. Je suis un homme qui est total libre, totalement libre, et pour réclamer la liberté à tout le monde. Je ne suis pas capable de venir pour ma faire émission, et puis pour mettre le monde sur rail, pas faire ça, pas bon, pas faire ça. Non. Je vais expliquer mes bagages qui ont un avantage pour faire, mes bagages tout. Qui a des désavantages, li, parfois son gros désavantage qu'on y a à la longue, pour nos propres précautions. Donc, on a tourné sur question ça, parce que c'est une mission de formation, son mission éducative, son mission culturelle que Pacifique gagnait pour le remplir dans la période de ça difficile, parce que nous avons souhaité que dans pile médias, ils ont fait travailler ça. Pour nous, pas tout le temps, c'est dans Blingendeng dans nous. Bien remettant des petits Blingendeng, mais je ne pas remettre Blingendeng dans tout le temps. Blingendeng, ça veut dire, bagay, woy, woy, tombe le koto, qui facile. Ça va nous demander, tout au début de l'émission, ça paquet de blousage, ça y a fait sur l'estomac, on est guidi, ou bien on dit, c'est intellectuel, c'est on est. Et savait et dans la culture, et puis mon paquet ferraille sur l'estomac. Ferraille qui t'a presque voulu dire, il faut que tu aies des saucisses superstitieux. Je commence à parler de une médaille que je prends pour médaille au frère ou sœur de maman, que je prends pour médaille bélier, parce que moi, son bélier qui fait 12 avril. Eh bien, ce n'est pas les mêmes seulement, ça n'a pas plus grave. Moi, j'ai un crucifix là. Regardez un bel crucifix. Ça, son Abdili, puis quand on fait jalousie, son bel fille qui fait un cadeau. Moi, j'ai l'autre crucifix là, j'ai chargé crucifix. Moi, on a dit, il faut que tu ne côté du pas religieux, ne de côté du pas catholique. Qui ça pas qu'être basse si on vient chercher sur l'estomac? Ça, bonne occasion, dit un bagage qui est important. C'est vrai que dans le sens de la pratique quotidienne, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas religieux, même si je suis reboté d'enfance, je suis enfant de cœur.
Je suis allé au séminaire à l'âge de 6-7 ans. Et bien, je suis servi Bess, servi Père, son petit serviteur qui a porté l'hostie, qui a porté Chasub, qui a porté tout le bataille qui est un rituel catholique. Là. Oui, je suis catholique. Aussi bien que je vis dans le milieu vaudouisant. Je fais ton milieu vaudouisant, Ravine Sèche. Je dis ça déjà plusieurs fois. Ensuite, sous Belay, quand je passe 34 ans dans la vie, sous Belay, quand je fais enfance, moi, adolescence, moi, et une bonne partie de la vie de moi, puisque je suis à l'école sous Belay, et l'aime depuis que je suis dans toute la corridor de Belay, et bien sous Belay, dans les années 40 jusqu'à 46, malgré tes grandes campagnes rejetées, l'ESCO, sous l'ESCO, tes grandes campagnes campagne rejetées. Ouais, tout ça, médaille, tout ça, bataille, la paix, votre point, dit, grâce à où? C'est pas un monde pas qu'on est connu. D'autant plus que vous prenez Bel Air pour quartier de non-droit, quartier marginal, quartier bandit, quartier rat-pacacras, quartier cocorat, pas passé là. Eh bien, moi, c'est sous Bel Air blévé. Et toujours dit que je suis bel et rien. Je vis d'elle-même, même son bel et rien. Je fais Ravine Sèche, je d'origine paysanne du côté maternel. Je ne dis pas paysanne, non, mes amis. Je dis d'origine paysanne du côté maman. Même c'est bel et rien, parce que c'est sous Bel Air que je vis. Vous connaissez ça qui est passé à l'époque ça? Nous sommes arrivés à dormir plusieurs fois dans le péristyle. Il y a des gens qui ne parlent pas de ça. Péristyle, c'est le temple vaudou. Et pour ça, le péristyle, temple là sous en dedans. Péristyle là, c'est une zone d'accueil côté on fait toute cérémonie autour d'un poteau mitan. Il couvre le plus souvent ou bien avec tôle ou bien avec foin, c'est-à-dire paille, paille banane, etc. Ils sont trois de chaume. Mais c'est pourquoi lui-même qui t'a plaidé. Ensemble, t'as plaidé considéré de péristyle là. L'entrée pire dans Kounia, vous pouvez jouer un hôtel, vous pouvez jouer un fond, vous pouvez jouer tout côté qui gagne, ça relève les objets sacrés. Et en particulier, toute série tambouyo, vous pouvez jouer un son, vous pouvez jouer un grand bagage qui est important encore, c'est. Ça y est, des objets qui rappellent la vie pendant que le rappellent la mort. Je vais reprendre ça nous peut-être mort. Je vais reprendre ça pour nous peut-être mort. On monte de la vivre, pas de manière morbide. Ça, je vais faire Dracula. Vous trouvez que vous êtes en bas de yo ou vous êtes en bas de nous. Je dis que si vous êtes mort déposé sous. Yon l'hôtel, c'est rappeler la praplo que tu es fragile. Il dit, mais descend, oui. Mais sortez, oui. Parce que n'oubliez que en bas, bel type, là, surtout, pas pour moi-même qui connais a fait nos vieux grands mondes. Mais, je dois dire des babla, ou bien des visages superficiels, ça, quoi, ou belle figure avec cheveux, belle petite lèvres. Eh bien, donc, qui ça la donne? Qui ça la squelette. Et crâne, côté te gagné la pensée fondamentale d'un être humain, eh bien, son zolier. Eh bien, je crois que sous plan ça, moi, bien dit, je ne suis pas religieux, je ne suis pas religieux, je ne suis pas vaudou, non, mais je mentionne un bagaille. Le vaudou, quelque part, nous apprend à vivre avec notre corps. Il n'est pas évacué le corps. Il n'y a pas quelque religion. Qui culpabilisait le corps, c'est-à-dire il diabolisait le corps. Mon non seulement de son vivant, lui-même garder tête il en glace, il apprend nous même nudité où, faut garder tête moi même si que deux fois ou crochet, même ça permet de ranger comme moi, dresser comme moi. Mais qu'on l'autre bail qui arrivait, c'est-à-dire ça relève le destin de tout être humain, la mort, parce que zokran tête là symbolisait la mort. Et bien, son rappel lié, il dit, attention, sois sage, sois prudent, parce que dans la vie, tout passe, tout se casse, tout est appelé à disparaître, et toi, tu es appelé à devenir ce crâne que tu regardes là. Eh bien, nous qu'on est sous Belay, ou tout barassé, parce qu'à l'époque, tu as plus que 20
Péricile. 20 temples vaudous. Puis l'homme dit temples vaudous, Péricile a son parti là-dedans. Tu as gagné plus que 20 temples vaudous sous Belé. La rue Saint-Martin. La bite cochon. La bon perpétuel secours. Leur montée à passer dans l'autre côté, t'es qu'on bagnote les bonnes petites bouts. Côté que t'es qu'on gagne bonnes petites bouts là. Leur passer là. Ou bien leur descendre pour après sous Porta Saint-Joseph. Parce que Belé prend rue Saint-Martin, Belé traditionnel là, il prend rue Saint-Martin au nord, il vire, il prend quartier Saint-Joseph à l'ouest, il vire, rive juste presque pour t'apprendre rue des Césars, rue Bonnefoy, et puis il monte derrière la cathédrale, là il passe, vire monter, bon perpétuel secours. C'était tout ensemble ça. Et ça fait la butte du Bel Air. Et c'était un quartier, époque longtemps, je vais vite dire ça. Je vais tout sous ça pour me conclure. Et c'était époque deux siècles. Il y a deux siècles. D'ailleurs, la ville de Port-au-Prince l'y fondée sous Belé. C'est sous Belé. Belé, c'était un quartier huppé. Et même à l'époque, pas moins, des gros paquets de commerçants qu'on appelait à l'époque les Levantins. Levantins, c'est à la fois Syriens, Arabes, Juifs. Tout est confondu font seul. Et son question importante, je vais tourner sous lui. C'est-à-dire, qui Jean commerçants ça a fait venir rentrer à la fin du 19e siècle en Haïti pour venir prendre fil. Parce que ce sont gros questions politiques liées. N'a pas question sur l'autre. Donc, moi, je dis, tu as gagné autour d'une vingtaine de temples vaudous que trop souvent, on aurait les simplement péricile. Et il faut que tu aies des condomis. L'homme de 7-8 ans, des condomis dans péricile. Eh bien, je vais apprendre. Je viens d'apprendre que l'or en face aux icônes, objet sacré, que c'est dans le vaudou, que c'est dans le catholicisme, c'est-à-dire que crucifix a beauté là. Ça, il y a deux valeurs. Il y a une double valeur d'abord de la croix. Une croix veut dire en pile bagaille. En pile monde, ouais, simplement le Christ qui crucifiait deux pieds bandiers, deux bras l'ouvrir. Sous calvaire. Non. Il y a d'abord le symbole de la croix. Le symbole de la croix, son symbole dans trois croisements, son symbole de chemin croisé. Et le chemin croisé, où il y a échange, où il y a métissage, où il y a pluralité, où il y a diversité, où il y a pluridimensionnalité. Donc, il y a un gros symbole là-dedans qui est à la fois un symbole culturel, un symbole spirituel, un symbole scientifique. Eh bien, tous les ingrédients, aussi bien que l'or devant, statue Notre-Dame du Perpétuel Secours, statue Notre-Dame de Lourdes, statue Vierge Miracle, statue Notre-Dame Altagrâce. Moun yo oublié. Enfin, là, je dis moun yo, m'a parlé de nèg qui exagérément athée, dit que yo athée. Là, je m'adresse à ceux-là qui se disent, bien dit oui, de manière exagérée et parfois avec une certaine suffisance, un certain mépris pour la religion, yo di yo c'est athée, yo di yo c'est sceptique, et puis gon bel mot tout qu'on employé, yo di yo c'est agnostique. Agnostique là, c'est monde qui pas croit dans l'absolu. Eh bien, moi-même fois que tu dit nous tromper nous. Parce que l'aime passer devant statue et l'attendait bien, tout le monde tendait bien. L'aime passer devant statue Notre-Dame de Lourdes. Est-ce que je me pose une question? Combien de milliards de monde qui passaient déjà devant le statut ça? L'aime passer devant Notre-Dame, Vierge Sodo, Vierge Miracle. Est-ce que je m'imaginais combien de milliards d'Haïtiens comme étrangers qui passaient devant le statut ça? Quelqu'un qui vient demander pour gagner la loterie, quelqu'un qui vient demander mariage, quelqu'un qui vient demander un visa américain. Gien qui vient demander pour le sénateur, pour le député, pour le président. Gien qui vient demander un petit que le poko ka gagner parce que le marié depuis 10 ans, premier petit la poko ka vini. Gien qui vient demander un job. Gien qui vient demander guérison pour maladie.
Get vinito pour dire merci la Vierge. Petit demande au Lord Bamwen. Merci la Vierge. Blanc récit, bon, bout de papier, visa, ça que m'dapprenne, petit canet, ça m'dapprenne depuis longtemps, li Bamwen, petit soa, li Bamwen. Ça veut dire. Puisque scientifiquement, tout est interconnecté. Tout est interconnecté dans l'univers. Là, je parle du grand univers. Je ne parle pas d'Haïti ou bien de l'Europe ou bien de la Terre. Là, je parle du cosmos qui est infiniment grand et non mesurable. Tout est interconnecté. Je me connecte à un grain de sable, je connecte à un fourmi qui a passé là, aussi bien me connecter à une galaxie qui a 10 millions d'années-lumière de la Terre. Eh bien, un transfert d'énergie qui fait, c'est-à-dire milliards de monde qui passent devant statut ça. Un transfert d'énergie qui fait, qui vient transformer statut ça en l'autre bagage. C'est pour un statut lié encore, non? C'est pour un pied, non? Non, je ne suis pas en présence d'une wash. Je suis en présence d'un accumulateur d'énergie. Je suis en présence d'une batterie d'énergie. Et c'est lui-même qui a fait miracle la fête, parce que les ça, ils ont palpitation d'onde, ils ont palpitation de gravitation, ils ont palpitation d'énergie infinie, qui n'est autre qu'une manifestation du divin. Et bien, respecter ça, même comme moi-même, je parle l'Église. C'est ça qui fait ça dans l'estomac. Moi. Et si je me dis ça, oui, mais pas tout, c'est sorti lèche, moi, c'est fétiche. Moi. Et que je m'en sorti, je m'en mette la coum, je me sens contrarié. Et c'est une manifestation de la foi. Et la foi, on ne la retrouve pas seulement chez les chrétiens, on ne la retrouve pas seulement chez les religieux. La foi, vous jouez des cailles, un grand musicien, vous jouez des cailles, un grand scientifique, vous jouez des cailles savants. Ou voyez une caille, un monde qui malade tout. Et puis ils font rêve que maman le pote, on remette Bali. Pas comprendre que Robert n'a pas sauvé. Robert a concevoir pile là-dedans. Mais Franck, il faut nous continuer à construire la foi, ça, qui peut-être un jour, qui pas trop loin, va sauver Haïti. Va sauver l'humanité. Je ne parle pas de la foi religieuse seulement, hein. Je parle de la foi. En tant que rêve ça qui est en dedans, ou cultiver li, ou accrocher li, et que ou découvrir la kaili, une capacité d'action. Donc, laisser son objet actif lié. Et si on bagay la foi, ou bagay rêve, ou pas pral aucun côté. Et que laisser ça criver nous bon la kaili, nous gèle nous en panne de rêve, nous en panne de foi tout. Bagay ne gèle la foi, ici, n'a pas dit, n'a pas vivre un côté, parce que yo prêt pour retirer Haïti, qui est censé une terre fabuleuse. Haïti, c'est une terre fabuleuse. Eh bien, yo tellement fait macaquerie, tellement fait bêtise, tellement fait médiocrité qui occupe le premier plan, que nous prêt pour dire son côté, comme on y est, et que machine en panne, nous ne pouvons pas jouer ni bœuf, pour aller, ni un trailer qui pour aller sortir dans toi. C'est la foi, c'est rêve, parce que nous-mêmes, il faut nous suspendre grain 5. Chaque haïtien, ouais, il connaît son grain 5 lié, c'est pour continuer. Tout ça, on haïtien, il faut oublier. Suspect, parce qu'on dit que c'est tête qu'il met devant. Personne ne doit pas exister. Son grain 5, et son mauvais grain 5. Franck, nous remercions pour. Paquet leçons d'humanité que vous bâillez aujourd'hui sur Télépacifique, Radio Pacifique. Nous remercions l'équipe qui a assisté nous pour réaliser Oulib. Et Franck, à la prochaine. Prochaine émission Oulib, nous continuons à parler de gros causes qui ont une importance capitale pour construire un État-nation. Merci. Merci Franck.